La librairie, s'il vous plaît. Oh, mais j'ai rien à voir là-dedans. On veut juste qu'on nous foute un petit peu la paix. Non, mais des fois, ça va pas bientôt finir. Oh, il y en a marre. Vous voulez quoi? Je suis à la recherche de livres épuisés. Qui vous envoie? Marianne Faucheur. Prenez la porte, passez derrière. Si vous êtes fermé, je peux revenir. Donnez-moi la liste des ouvrages que vous recherchez. Je ne travaille que sur liste. C'est-à-dire, je m'intéresse à la littérature en général. Céline, Rebattet... Brasillac. Brasillac, aussi, oui, oui. Et d'autres, bien sûr. Passons par ici. Vous vous intéressez donc à la littérature? Voilà. Je vais vous sortir quelques ouvrages. Vous n'auriez pas des choses comme Bagatelle pour un massacre? Ou Les décombres? J'ai ça. Celui-là, je l'ai aussi. Il me quitte jamais. Je vois, jeune homme, que vous êtes un connaisseur. Vous savez, il y a tellement de gens bizarres et malveillants aujourd'hui. On ne sait jamais avec qui on cause. Jetez un œil là-dedans, jeune homme, si vous y trouvez pas votre bonheur. Je peux les sortir? Bien fait. Et les consulter? Si vous ne me cassez pas les reliures. Attention les livres! Mais qu'est-ce que vous foutez encore debout? Allez vous prendre un partant en pleine gueule, à couvert, nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? La guerre continue! Ils ont fusillé les journalistes, les écrivains. Les garçons bouchers, les crémiers, ils ont tendu les cuisses légères. Ils ont assassiné des éditeurs, mais ils ont oublié les libraires. Alors voilà,